Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire de Bambi. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est l'histoire d'une biche qui donne naissance à un beau petit fan appelé Bambi. Mère biche fait le tour de la forêt avec Bambi pour le présenter à tous les animaux. Ces derniers en sont ravis. Ils lui offrent des fruits et le comblent d'amour et de respect. Comment t'appelles-tu ? Lui demande un raton accroché à un arbre. Je m'appelle Bambi, répond le fan. Mais Drum, le lapin, l'aime plus que les autres et se dit « Je vais m'occuper de ce bébé fan. » Il passe son temps à lui cueillir des fraises succulentes. Puis le lapin emmène le fan faire un tour dans la forêt. Les deux amis voient un oiseau sur un arbre. « C'est un oiseau !» dit Drum. Ensuite, un papillon se pose sur le nez de Bambi. Un oiseau, dit Bambi. Non, dit Drum en rigolant. C'est un papillon. Un peu plus loin, Bambi s'écrie. Voilà des papillons. Mais Drum lui dit « Non, ce sont des fleurs !» À ce moment, une tête rouge aux yeux brillants apparaît entre les fleurs. C'est un renard. Bambi, Drum et le renard deviennent vite de bons amis et s'amusent comme des fous. Un jour, Bambi rencontre un petit cerf. Il est très surpris en le voyant et il ne veut plus le quitter. Ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils font de longues promenades dans la forêt. Le père de Bambi, grand et fort, dit toujours à son petit : Sois brave et fort. Bambi l'écoute attentivement. Il en est très fier. Un matin, des chasseurs arrivent à la forêt et tuent les parents de Bambi. Bambi rassemble tous les animaux et surveille les chemins de la forêt. Dès que les chasseurs reviennent, tous les animaux les attaquent. Ainsi, Bambi sauve les animaux et devient le nouveau chef de la forêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de faire un like, de commenter et de partager avec votre famille et vos amis. Au revoir mes amis, je vous embrasse et à très bientôt.